Cette radicalisation de l'extrême droite, elle est due, selon moi, à deux choses. C'est parce que d'abord, on est dans une période de crise, crise économique, crise écologique, crise politique. On sent que le pôle politique est en train de se polariser entre une aile gauche et une aile droite et que ça va vraiment être des affrontements comme ça. Et d'un autre sens, eh ben, c'est aussi parce que ils ont peur en fait des avancées qu'on est en train de faire. Mais déjà, Malcolm X disait, faudrait que je te retrouve la citation, mais Malcolm X avait déjà dit ça, que le suprémacisme blanc se radicalisait, d'autant plus que l'antiracisme montait. Et donc là, on est totalement là-dedans. C'est que je pense qu'ils voient que bah, nos discours sont en train d'être entendus. Tu as des gens que, au départ, ils étaient très offensifs contre nous, mais qui commencent à être convaincus. Ou au moins, il y a au moins un dialogue qui est en train de se faire. Et notamment par rapport à notre discours sur l'alliance entre les beaufs et les barbares. Et eux, je pense que ça leur fait peur. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est remonter les beaufs contre les barbares, tu vois. Et donc, face à eux et à nous qui parlons de paix entre les beaufs et les barbares, ils voient que c'est en train de prendre. Ils se disent, putain, mais genre, il y a une panique. Il y a une panique, qu'est-ce qu'on va faire pour couper cet élan-là? Et je pense que c'est aussi pour ça que, il faut aussi prendre ça comme une victoire. Comme une victoire, le fait qu'il m'attaque. Moi, je le prends comme une victoire aussi, tu vois, qu'il m'attaque comme ça, parce que ça montre que notre discours il est en train d'être entendu et qu'ils ont peur. Et ça montre que tu as des gens qui commencent à être convaincus par ce qu'on fait. Et je pense que nous, on doit se dire ça, en fait. On doit se dire que. Et de toute façon, ça va être de plus en plus dur et tout, mais on doit se dire que c'est des succès. Et oubliez pas la citation de Mao. Si l'ennemi nous attaque, c'est bon signe. Et s'il devient de plus en plus virulent dans ses attaques, c'est encore plus bon signe. C'est qu'on fait des avancées, c'est qu'on avance. Et donc c'est pour ça que pour moi, il faut en même temps attaquer ce discours d'extrême droite, en même temps s'inquiéter de cette radicalisation, mais en même temps avoir de l'optimisme, se dire que voilà, on avance, on remporte des victoires, on remporte des batailles, et faut rester optimiste et surtout, faut pas se laisser intimider. Faut pas se laisser intimider. Moi, en tout cas, je vais pas me laisser intimider. Je vais continuer. Et d'ailleurs, ce qui Ça me te rend plus permet, fort, surtout. voilà, ça, et ce qui me permet de continuer, c'est d'avoir les gens qui me soutiennent et tout. Toi, sans eux, je veux dire, moi, s'il y avait que des gens qui m'insultaient, j'aurais dit ah ouais. Mais comme il y a des gens aussi qui me soutiennent et tout, bah voilà, faut continuer et puis c'est tout.